Salut les amis! Donc aujourd'hui, ça va être une petite recette, puisque j'étais à la pêche hier et que j'ai pris des perches. Bon, alors c'est pas de la grosse perche, hein, c'est de la perchette. Et il se trouve que dans cette rivière, il y en a énormément. Donc je fais pas de no-kill sur cette rivière là au niveau des perches, puisque elles sont atteintes de nanisme. Il y a vraiment trop de perches par rapport à la nourriture et ben, elles ne grossissent plus. Donc, bon, je ne sais pas les prendre les plus petites non plus, hein, bien sûr. Donc, ça va être un pain de poisson. Donc, ça va être pain de brochet, parce que c'est principalement du brochet. Et je vais y rajouter les perches que j'ai prises. Donc, il y a 27 petites perches. La plus grosse fait 25 cm. Autrement, vous voyez, il y a beaucoup de petites. Donc, je retire les filets. Vous voyez, les peaux sont propres, hein, c'est nickel. Bon, ça, vous avez une vidéo spécifique pour lever les filets, donc vous regarderez. Sur ma chaîne, vous avez une vidéo comment lever les filets d'un poisson. Donc, on a l'habitude, ça va assez vite, mais bon, c'est quand même du travail sur des petits poissons comme ça. Voilà, donc vous sortez des filets impeccables. Voilà, et là, vous n'avez plus que la peau. Donc, ça va être une recette... Je veux dire original parce que j'ai envie de changer. Donc on va la faire celle-ci avec de la bisque de homard. On va faire un pain de poisson. Je vais rajouter de la bisque de homard dedans. Juste pour voir ce que ça peut donner. Bon, allez, je reprends tout à l'heure pour la recette. Je finis de faire mes filets. Donc voilà, j'ai fini de prélever tous les filets. Donc il y a le brochet qui faisait juste la maille et les 27 perches. Perchette. Voilà, ça fait 1 kg de filet, tout rond. Donc avec 1 kg de filet, on va pouvoir faire un beau pain, vraiment un beau pain. Donc la suite, les ingrédients. Voilà, donc bon, il y a plein de possibilités, hein. Moi je fais à ma façon et les dosages c'est empirique. Je vais mettre des biscottes. Alors on peut mettre du pain, écraser du pain sec, hein, ou de la chapelure. Mais les biscottes ça s'écrase bien, en plus je vais les passer au mixeur. Oignon rouge, donc là il y en a trop, hein. Beaucoup trop, il faudra la moitié seulement. La ciboulette, j'ai plus de persil donc j'en mettrai pas. Échalote et ail. Pour 1 kg je vais mettre 4 œufs et puis je vais mettre de la bisque d'homard pour essayer. En épices, un peu de tabasco, 5 baies. Sel. Les filets, je vais les passer au hachoir à viande, grille grosse cette fois. Puisque la dernière fois, j'en ai déjà fait avec des grilles fines et des grilles moyennes. On sent pas du tout les arêtes, rien du tout. Sur le brochet, les petites arêtes en Y. Mais par contre, ça hache très fin quand même. Donc je vais essayer la grosse grille pour cette fois. Voilà, donc je vais hacher la viande au hachoir mécanique avec la grosse grille. Et je vais mélanger tous les ingrédients avec. Après, il suffira d'assaisonner et de mélanger l'ensemble et puis de le mettre dans un plat en silicone, genre moule à cake, et de le mettre au bain-marie pendant environ 40 minutes à 160 degrés. Donc il faut faire préchauffer le four avant. Voilà, donc je viens de mélanger tout ça. Donc je l'ai passé au hachoir à grosse grille. Donc on voit bien les morceaux. Assez gros quand même. Voilà, mais bon, ils sont bien hachés. Au niveau du tabasco, pour 1 kg de chair, j'ai mis 2 grosses cuillères. Au niveau de la bisque d'homard, j'ai mis la moitié de la boîte. J'aurais peut-être pu en mettre un peu plus, mais bon, je ne veux pas que ça dénature trop le goût quand même, donc on va essayer comme ça. Voilà, donc c'est salé, poivré, enfin 5 baies. Donc, un moule en silicone, ça devrait loger tout juste. Après, vous le replacez dans un plat en pyrex. Vous mettez de l'eau autour, puisqu'il faut que ça cuise au bain-marie. Donc, c'est parti. Le four est en train de préchauffer à 170 degrés. Je le baisserai un petit peu après. Allez, petite touche finale. Avec les citrons du jardin.
vraiment, ça pousse bien. Et voilà. Donc, je vais mettre de l'eau et j'enfourne. Voilà, donc au bout de un petit peu plus de 40 minutes, il y avait un kilo, donc un peu plus de 40 minutes, 55 minutes. Un petit peu d'eau dedans. Donc j'aurais dû rajouter un petit peu de biscotte. Mais apparemment, c'est pas mal. Et voilà, avec une petite sauce yaourt, ciboulette, capre, et assaisonné bien sûr. Il n'y a plus qu'à manger. A plus, à la prochaine.